الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة وأدى أمانة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة وأخوات الموضوع خطبة اليوم حل حقوق الجار في الإسلام فقد قال الله تعالى في سورة النساء وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق الله العظيم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره تعرف أيها أحباب الإسلام دين المعاملة ودين الأخلاق أن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم صدق رسول الكريم وقول قول هذا فاستغفروا لي ولكم فاستغفروه إنه هو غفور رحيم لوانجي على Nous le glorifions, nous demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous demandons toute protection en lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Pour le rappel du jour, frères musulmans, il sera question des droits du voisin. Allah, le Très-Haut, a créé sa créature et n'a rien omis dans sa création. Frères et sœurs en foi, serviteurs soumis, connaître les droits qu'ils doivent à son voisin est l'une des principales caractéristiques du musulman soucieux de se conformer aux instructions de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, qui a reconnu une place privilégiée aux voisins. En effet, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a beaucoup insisté pour que le voisin soit respecté et honoré à tel point qu'à travers beaucoup de hadiths, il a considéré que le respect du voisin est une partie intégrante de la foi, mais aussi une condition pour avoir accès au paradis et un moyen d'évaluation de l'amour que le croyant porte à Allah et à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le voisin vertueux fait partie du bonheur, selon le messager de Dieu. Quatre choses font partie du bonheur, et parmi elles, le voisin vertueux. Et quatre choses font partie du malheur, et parmi elles, le mauvais voisin. Allah exalté soit-il mentionne le voisin dans plusieurs versets du Coran, dont celui-ci, Allah dit, je cite, « Abudullah wa la tushriku bihi shay'a »« Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres,
les proches voisins, les voisins lointains, les collègues, les voyageurs et les esclaves en votre possession. Certes, Allah n'aime pas en vérité les présomptueux, l'arrogant. Fin de citation. Le messager de Dieu a dit à propos du voisin, « Sois bon dans le voisinage de celui qui est ton voisin, tu seras un musulman. » Il a dit également, « Celui qui croit en Allah au jumeau dernier se doit d'honorer son voisin. » Tout d'abord, frères musulmans, celui qui porte atteinte à son voisin n'est pas considéré comme un véritable croyant. En effet, celui qui croit en Allah et à son messager doit se garder de nuire à son voisin autant que possible. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Fawallahu la yu'min, fawallahu la yu'min, fawallahu la yu'min. » Par Allah, il n'est pas croyant. Il a répété cela à 3 reprises. On lui demanda qui n'est pas un véritable croyant, ya Rasulallah. Il répondit, celui qui n'épargne pas son voisin de ses méfaits. Donc, évitons toujours de nuire à notre voisinage. Dans un autre hadith, il est dit et relaté par Anas, radiallahu anhu, qu'Allah n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa conduite blessante. De même, en évoquant la croyance en Allah au jour dernier, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Celui qui croit en Allah au jumeau dernier ne nuise pas à son voisin. Celui qui croit en Allah au jumeau dernier, qu'il honore son hôte. Celui qui croit en Allah au jumeau dernier, qu'il honore son voisin. » Ainsi, le croyant en Allah au jumeau dernier est lié au bon comportement avec le voisin. En effet, enfin, le fait de porter atteinte au voisin nous mènera malheureusement dans les pires demeures. Al-Iyazi Billah, qu'Allah nous en préserve. Un tel passe la nuit. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, un tel passe sa nuit en prière et jeûne la journée. Il agit ainsi et aussi donne de l'aumône, mais par sa langue, elle porte atteinte à ses voisins. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, termine en disant, malheureusement que cette personne n'a aucun bien et sa destination, c'est le fond de l'enfer. Frères musulmans, serviteurs soumis, nuire ses voisins, cela rendra les bonnes actions vaines, qui encore, cela nous conduira dans les pires demeures. Gardons-nous de nuire à nos voisins. Cela sera meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Les hadiths que nous avons cités indiquent ceux qui nuisent à leurs voisins. Mais qu'en est-il de ceux qui les insultent ou se battent injustement contre eux? Frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, notons qu'il n'y a pas de différence à considérer entre les voisins musulmans et non-musulmans, sinon le culte et ses corollaires. Les recommandations du prophète Mohammed s'appliquent entièrement dans les deux cas. Les droits du voisin consistent, en plus du droit du musulman vis-à-vis du musulman, à le saluer. Je dis bien à le saluer, à le visiter en cas de maladie, à lui présenter les condoléances en cas de malheur, à rester avec lui, à le consoler, l'assister dans ses moments de joie, pardonner ses fautes et ses défauts, éviter de le dénigrer, éviter de dévoiler ses défauts, de le secourir s'il fait face à une épreuve, ne pas écouter ce qu'on dit du mal sur lui, lui parler avec bienveillance et respect ainsi qu'à sa famille, lui conseiller sur ce qu'il ignore concernant sa foi. Il est regrettable qu'aujourd'hui, les musulmans ont mis de côté ces recommandations importantes de l'enseignement prophétique. On se comporte autrement. Puisse Allah nous accorder l'opportunité, la sagesse, la compréhension quotidienne, toutes ces recommandations et améliorer nos relations et rapports avec tous nos voisins, bons ou mauvais.
frères musulmans, serviteurs soumis, nous l'avons signifié que parmi les droits du voisin, il faut le saluer. Cela ouvre une porte à une interrogation. Est-ce qu'il est autorisé aux musulmans de dire « Assalamu alaikum » à un non-musulman? Les points de vue des savants sont doubles à ce niveau. Pour certains, par rapport à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait un juif, au lieu de dire « Assalamu alaikum », il a l'habitude d'adresser au prophète « Assalamu alaikum ». Le prophète ignorait, le prophète lui répondait « Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh ». Mais à travers l'ange Jibril, Dieu le lui a informé que de bien l'écouter. Il ne dit pas « Assalamu alaikum », mais il dit plutôt « Assalamu alaikum ».« Assalamu alaikum » voudrait dire la mort. Le moment où le prophète lui adresse le salut, la paix, lui souhaite au prophète la mort. Et le prophète a, on a recommandé au prophète de lui répondre « Wa alaikum ».« Wa alaikum ». Ceci, s'il lui souhaite une bonne chose, la même chose pour lui. S'il lui souhaite une mauvaise chose, la même chose pour lui. Certains savants se réfèrent à ce hadith pour nous dire qu'il n'est pas autorisé aux musulmans de dire « Assalamu alaikum » aux chrétiens et aux juifs par rapport à ce hadith-là. Et ces savants, on les appelle généralement les littéralistes, les ahal hadith. Ils se fient totalement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous guide. Mais à côté, il y a d'autres savants qui se posent toujours la question, le pourquoi. Frères musulmans, ce n'est pas en toutes circonstances qu'on peut demander le pourquoi, mais dans beaucoup de cas, on peut demander le pourquoi des choses. Parce que notre religion, c'est une religion de la sagesse et de l'intelligence. Et parfois, à travers le pourquoi, on a la réponse à cela. Et ils se disent, mais pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a recommandé de lui dire, « Wa alayka salam ». C'est parce que ce juif, lui comprenait la langue arabe et se moquait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous avons le devoir de généraliser cela à tous les chrétiens et à tous les juifs? Or, aujourd'hui, combien de musulmans parlent la langue arabe? Et pour parler des gens du livre, combien comprennent la langue arabe? Donc, l'inam al-amal biniyat. Et par rapport à cela, ils disent que oui, on peut quand même saluer les non-musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah connaît le mieux. Parce que lorsque, entre vous, vous vous saluez, assalamu alaikum, vous répondez avec une formule longue. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils sont toujours avec nous. Et que toi, ils se permettent de te saluer. Tu dis seulement une formule courte. Wa alaikum. Allahu alam. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Donc les deux formules sont autorisées. Seulement, il faudrait que le musulman sache pourquoi je me comporte ainsi. Pourquoi je dis ceci. Pourquoi je dis cela. Allahu alam. Invoquons Allah. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wa salatu wa salam. Ala Rasulullah. Frères et sœurs musulmans, serviteurs soumis, Allah a beaucoup d'attributs. Parmi les attributs de Dieu, Allah Wahid, Allah est unique. Allah Ya'lam Kulla Shay, Allah connaît toutes choses. Allah La Yahtaju Ila Ahad, Allah n'a besoin de personne, alors que nous avons tous besoin d'Allah. Qu'Allah nous dit dans le droit chemin. Frères musulmans, serviteurs soumis, l'islam a accordé une attention particulière aux relations avec les voisins, en actes et en paroles. Évitez tous les mots et gestes qui pourront faire du mal à votre voisin. L'islam honore ceux qui honorent leurs voisins et a remis en cause la foi de ceux qui ne gagnent pas la confiance de leurs voisins. L'islam a également annoncé aux croyants que les meilleurs d'entre eux auprès d'Allah sont ceux qui se montrent les meilleurs envers les voisins. En effet, le Saint-Coran a mentionné le droit du voisin à travers ce verset, sourate 4, verset 36, que nous avons déjà cité, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé ». Le musulman doit être bon à l'égard de tout voisin, quelle que soit sa religion. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que le voisin n'est pas seulement celui qui vit à côté de toi, mais la sphère du voisinage dépasse 40 maisons dans toutes les directions, ce qui donne donc un quartier entier. Donc, toi qui vis, par exemple, à Kilkame,
considère que tous les habitants de Beklik sont automatiquement tes voisins, ainsi de suite. De même, toi qui habites le quartier X, considère que tous ceux qui, avec qui tu vis dans ce quartier X sont tes voisins. Si ton voisin, qu'il soit musulman ou non, te demande de l'aide, tu dois obligatoirement l'aider. Après la famille, les voisins sont la famille la plus proche dont nous dépendons le plus, car une mauvaise relation avec le voisin peut te rendre la vie dure et difficile. Tous ceux qui vivent dans un quartier doivent apprendre à se faire confiance pour vivre une vie harmonieuse et leurs richesses sont donc en sécurité. Le messager de Dieu a décrit un bon voisin comme une des joies dans la vie du musulman. Parmi les choses qui apportent le bonheur pour le croyant, c'est d'avoir justement un voisin juste. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, 4 choses procurent le bonheur. La femme vertueuse, le logement spacieux, le bon voisinage et la monture docile. Jugé authentique par Cheikh Albani. Sachez aussi que le voisin qui a le plus de droits sera donc le voisin dont la porte est la plus proche de la tienne. Selon Aïcha radiallahu anha, le messager de Dieu a dit, à qui dois-je faire du cadeau, dois-je donner du cadeau? Il dit, à celui dont la porte est la plus proche de la tienne, celui avec qui tu partages la mosquée, celui qui entend l'azan où tu pries. Parmi les droits du voisin, c'est de lui adresser la salutation quand on le rencontre, répondre à son invitation quand il t'invite, être tendre envers ses enfants, les orienter vers le bien, ne pas verser du déchet devant sa porte. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'ange Jibril n'a cessé de me recommander à l'égard de mon voisin jusqu'au point où je croyais qu'il aurait donné le droit à l'héritage du voisin. Ne construisez pas exagérément vos maisons pour lui empêcher d'être à l'aise. Donnez-lui une partie des fruits que vous achetez. Il a droit à votre repas, surtout si l'odeur du repas remonte à lui. Frère musulman, serviteur soumis, un garçon juif était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il est tombé malade et le prophète lui rendit visite. Une fois arrivé, il s'assit près de sa tête et lui dit, accepte l'islam. Le garçon jeta son regard vers son père qui était auprès de lui et ce dernier lui dit, obéis au père d'Al-Qasim, signifiant le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il accepta l'islam et le prophète sortit de chez lui en disant, loué soit Dieu, alhamdulillah, qui l'a sauvé de l'enfer. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari. Frères musulmans, l'islam recommande le musulman à la gentillesse vis-à-vis du voisin. Que se passe-t-il si vous avez un voisin qui est dur et ne respecte pas les enseignements islamiques et même les dénigre? Pour ce qui nous concerne, on doit toujours être doux, patient, endurant et conciliant. Frères musulmans, un jour, un mouton fut tué chez Ibn Omar, radiallahu anhu. Il a toujours demandé, avez-vous offert une partie à notre voisin juif? Allahu Akbar. Le développement harmonieux de notre pays commence par nos maisons. Puis le voisinage, ensuite c'est tous les quartiers qui deviennent sains avec ses habitants. Ainsi de suite, puis c'est tout le pays qui est sain avec la sécurité, la sérénité et la paix. Qu'Allah nous dirige dans nos droits chemins. Qu'il accorde la paix dans ce pays. Qu'il illumine les dirigeants de ce pays. Seigneur Allah, accorde-nous ce dont nous avons besoin ici-bas et dans l'au-delà. Seigneur Allah, notre pays a besoin de la paix. Ce qui se passe au nord du pays, Allah, toi seul, tu peux nous aider. Nous avons besoin de ton aide absolue. Sans ton aide, on ne peut absolument rien. Seigneur Allah, guide les malfaiteurs. Guide-les pour cesser leurs mauvaises actions.
et accorde-nous le salut en permanence. Invoquons. Ô Allah, montre-nous la vérité dans toute sa splendeur et facilite-nous sa voie. Montre-nous tout ce qui est vain ou faux dans toutes ses formes et écarte-nous-en. Ne le rends pas confus pour nous, au risque de nous égarer. Fais de nous un modèle pour les pieux. Et fais de nous des héritiers du paradis Firdaus, dans lequel nous y vivrons éternellement. Préserve-nous de ta colère et de ta haine. Ô Seigneur Allah, guéris nos malades. Accorde la miséricorde à nos morts. Fais que nos meilleures œuvres soient pour la fin. Et notre meilleur jour lors de ta rencontre, ô toi le Seigneur des mondes. Ô Seigneur Allah, fais que nous puissions maintenir la concorde entre nous. Réconcilie nos cœurs, guide-nous sur le chemin du salut, délivre-nous des ténèbres vers la lumière et écarte-nous des turpitudes manifestes ou cachées. Seigneur Allah, accorde ta bénédiction à notre ouïe, notre vue, nos cœurs, nos conjoints et nos enfants. Accepte notre repentance, ô toi le très miséricordieux. Ô Allah, tu as ordonné le pardon en faveur de celui qui a été injuste envers nous. Voilà que nous avons été injustes envers nous-mêmes. Absous nos fautes, ô Allah. Seigneur Allah, tu es indulgent et généreux, et tu aimes l'indulgence. Accorde-nous donc ton intelligence. Seigneur Allah, ne nous condamne pas si nous avons oublié ou avons commis des erreurs. Notre Seigneur, ne nous charge point d'un fait comme tu en as chargé ceux qui nous ont précédés. Ô Seigneur, ne nous charge point de ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous, absous-nous, fais-nous miséricorde. Tiens, notre Maître, fais-nous triompher des gens mécréants. Seigneur Allah, ne déduis pas nos cœurs après que tu nous as guidés sur le droit chemin, le chemin de l'islam, et accorde-nous de chez toi une miséricorde, car tu es le plein dispensateur. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة